dans les zones politiques du PDCI-RDA pour échanger avec la base. C'est le vendredi 2 août 2019, aux environs de 19 h, que le professeur Maurice Kakoudji-Kaoué, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, est arrivé à Daloa où un accueil chaleureux lui a été réservé par les élus et cadres de la région. Avant la rencontre proprement dite, prévue le samedi 3 août, le ministre est allé présenter ses civilités au chef central, M. Obou Kalé, par ailleurs président régional de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Toute une zone composée de 7 régions mobilisées et en ordre de bataille pour la cause du PDCI. La démonstration a été faite ce samedi 3 août à Daloa. Les militants de la zone ouest du PDCI-RDA, dite zone Zadi, se sont retrouvés pour une séance de travail avec le secrétaire exécutif en chef du PDCI, Maurice Kakoudji-Kaoué, dans le cadre des tournées entreprises par le secrétaire exécutif en chef dans les zones politiques du PDCI-RDA. Ces responsables locaux du parti septuagénaire sont venus des régions de la Nawa, du Boklé, de la Marawi, du Go, de San Pedro, du Haut-Sassandra, du Logibwa, avec à leur tête les 81 délégués PDCI qui couvrent cette zone Zadi. Le jardin du complexe BI qui a servi de cadre à cette rencontre s'est avéré exigu. Plus de 2000 militants ont pris d'assaut cet espace. Une très forte mobilisation au premier, de laquelle les vice-présidents Alphonse Djedjemadi, Seri Kosugro, Dadier Loka Samuel. C'est au point focal de la zone Zadi, le ministre Brito Boniface, que l'honneur est revenu de planter le décor de cette rencontre. Notre rassemblement de ce matin et les travaux que nous allons entreprendre sont déjà précédés d'une bonne réussite. Monsieur le secrétaire exécutif, nous vous souhaitons donc un bon travail ce matin avec tous les militants. Il a salué la forte présence des délégués PDCI, des secrétaires des sections et coordinateurs des régions avant de rassurer l'ordre de disponibilité des militants de la zone à relever les défis du PDCI. À sa suite, c'est le secrétaire exécutif qui a pris la parole pour livrer à la base le message du président Henri Konan-Bédier. Mesdames et messieurs les délégués départementaux et communaux, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, mesdames et messieurs les membres du comité des sages, mesdames et messieurs les membres du grand conseil, vaillants secrétaires généraux de section, les Amazones de l'UFPDCI, les flèches de la JPDCI. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer ce samedi 3 août 2019. Dans le cadre des rencontres politiques décidées le 27 juin 2019 par Son Excellence Henri Konan-Bédié, président du PDCI-RDA, lors de la dernière réunion du bureau politique du parti. Ce jour-là, le président du parti avait engagé le secrétaire exécutif du PDCI-RDA à entreprendre sans délai des rencontres dans les zones politiques du parti. Aussi sommes-nous venus à votre rencontre dans le cadre de l'exécution de cette diligence. Avant tout autre propos, recevez les salutations fraternelles, militantes et les encouragements du président Henri Konan-Bédié, président du PDCI. Il a donné les instructions fermes aux délégués et aux secrétaires des sections pour mener à bien le travail du terrain qui va octroyer au PDCI-RDA la victoire de 2020. Suivra ensuite l'intervention du vice-président, le professeur Alphonse Djedjemadi, qui a été désigné président de la zone Zadi à l'unanimité des délégués. Il remplace ainsi le ministre Charles Koffi Dibi. Puisque c'est vous qui l'avez décidé, à l'unanimité, plus une voix, comme il le disait tout à l'heure, je voudrais vous dire merci. Merci pour la confiance que vous me témoignez. Merci
au président Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA, qui a accepté de me confier l'animation de notre vaste zone. Merci à notre frère Zandi Kessi. Je me tourne vers vous pour que la charge soit commune et partagée. Comme il faut quelqu'un devant, vous m'avez mis devant, mais si vous n'êtes pas derrière, je ne suis pas devant. Ce fut une belle rencontre et l'occasion pour les militants et militantes de s'exprimer librement. Nous avions eu tout d'abord une séance de travail avec le bureau politique et le président du parti qui a sorti une feuille de route et le secrétaire général de section, chef de secrétaire en exercice, à la charge de l'application de cette feuille de route. Et il a commencé à divulguer, à diluer, à vulgariser cette feuille de route dans toutes les délégations, dans toutes les régions. Et la semaine dernière, c'était la région du sud, à Abidjan. Et cette semaine, c'est la région du centre-ouest, qui comprend cette région. Et alors, ce sont les secrétaires de section, les délégués, les membres du bureau politique, les membres du grand conseil, toutes tendances réunies, qui se sont retrouvés ici pour écouter la retransmission et cette tâche qui est due de nous faire part, nous partager à la base les lignes directrices de la feuille de route du président Henri Conan Bédier. Et au-delà, nous avons pensé qu'avec l'accord du président Zadi, l'accord d'autres présidents, de nos supérieurs, d'essayer de mettre un coordonnateur à la tête de notre zone qui est appelé Zan Zadi pour que pendant l'absence pour des raisons indépendantes de sa volonté du président Zadi Kessi, du président Cheikh Kofi Dibi, un autre puisse prendre le relais. Ainsi, à l'unanimité de tous les congressistes, de tous les séminaristes qui étaient là, nous avons porté notre choix sur le président Alphonse Guéye Madi pour prendre la tête de la zone Zadi et conduire ce troupeau qui est important. Nous sommes deuxième région électorale du point de vue capacité électorale de la Côte d'Ivoire. Après Abidjan, c'est la zone centre-ouest que nous sommes. Donc c'est heureux de notre part d'avoir tenu cette réunion. D'abord, nous sommes très heureux de recevoir dans notre commune toutes les régions et toutes les délégations à leur tête avec leurs délégués de la zone Zadi. Mais surtout très honoré de recevoir notre secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikawe. Il est venu ici pour nous entretenir sur les diligences qu'on a eu à entendre lorsque le président Henri Conan Bédier nous a reçus à Abidjan il y a quelques semaines. Il est venu aussi galvaniser nos militants, nos secrétaires de section, et il est venu aussi nous dire que nous devons nous mettre en ordre de bataille, comme je disais, pour les élections de 2020. Voir tous nos responsables politiques venir à la base pour nous apporter un message, je crois qu'on a tout gagné. Il y a longtemps qu'on attendait ça. Nos militants sont là, mais c'est parce que nos responsables ne vont pas vers eux à la base, ce qui fait qu'on pense que les militants du PDC ne sont pas là. Ils sont bel et bien là. Et il est de notre devoir, on nous a mis en mission, il est de notre devoir d'aller les trouver là où ils sont pour les faire sortir. Il va avoir une surprise. Et la surprise, c'est pour le PDC. Et je crois que tout le monde sera là pour voir la vérité. Parce qu'au PDC, nous, on ne ment pas. On travaille et on travaille dans la clarté. C'est une grande occasion pour nous parce que ce genre d'occasion, nous n'avons pas assez dans la région du Haut-Sandra, à Daloa. Et je pense que la présence de Dikawe aujourd'hui parmi nous permettra de régler certains problèmes qui existent dans le fonctionnement du parti ici. Et nous attendions ça depuis. Nous pensons que
Aujourd'hui, nous sommes un peu satisfaits parce qu'il a quand même exhorté les délégués, il a essayé de donner le rôle que les délégués doivent jouer ici. Pour lui, ils sont des facilitateurs, c'est eux qui doivent amener les secrétaires de session qui sont animateurs à faire fonctionner le parti correctement ici dans le Haut-Sassandra. Et donc, nous avons appris beaucoup de choses et nous sommes très satisfaits. Nous avons reçu depuis ce matin la visite du secrétaire exécutif en chef qui est venu pour remobiliser la zone Zadi. Et vu que la zone Zadi fait à peu près 30% de l'électorat en Côte d'Ivoire, après cette revue de troupes, nous sommes convaincus que le parti tient le bon bout. Nous sommes heureux de recevoir ici le ministre Maurice Kakou-Dikawe, secrétaire exécutif du PDCIRDA, celui qu'on a nommé le capitaine Courage. Il faut dire que c'est une personnalité qui fait la fierté du PDCIRDA. Un homme battant qui inspire de toutes les façons les jeunes par sa détermination et son engagement. Nous sommes vraiment heureux de le recevoir ici en ce jour et de recevoir ces informations qu'il nous donne, qui nous permettront désormais d'orienter davantage nos actions quant à l'avenir du PDCIRDA. Ce qui nous a été donné de voir aujourd'hui est extraordinaire. J'en ai eu les larmes aux yeux et je crois que la mobilisation est partie pour de bon. Et ça augure des perspectives assez heureuses pour le parti.